pas imaginer. Ça fait 13 mois que j'attends d'être là, assis derrière cet établi, pour me faire une réalisation pour le plaisir. Souvent on parle des déformations du bois, regardez ici, on était sur un arbre qui avait une section assez modeste. Là on est au niveau du cœur et on voit parfaitement que le bois il est déformé, comme ça. Le bois tire à cœur, ici on a cette déformation. Bon, moi je vais garder le plateau entier, donc là je vais simplement le dégauchir. We'll be right back.
Bien sûr, avec mes nouvelles machines, la montée baisse électrique, j'abuse de ce confort, c'est extrêmement pratique. Mais je n'oublie pas tous ceux qui n'ont pas cette précision sur leur machine. Je vous renvoie à la vidéo du piétement de la table où j'avais développé une astuce par un simple empilement de petits éléments de contreplaqué. Vous la trouverez dans la petite fiche qui est en haut à droite de la vidéo. Embêter à faire des assemblages beaux, précis, si au final, à la fin, vous les poncez et que vous les arrondissez. Donc ici, je ponce les faces inférieures et je m'arrête avant l'assemblage à queue droite. Thank you.
je fais une petite pause ici, j'ai deux choses à vous dire. D'une part, on me pose souvent la question pourquoi tu t'embêtes avec des bagues à copier alors qu'il y a des fraises à copier, la fameuse fraise avec son roulement que j'utilise. Eh bien parce que la fraise à copier, ça ne fait pas tout ce que fait une bague à copier. Regardez, vous m'avez vu faire le premier pied. C'est plutôt propre, mais c'est pas génial. Pourquoi c'est pas génial? Parce que je suis obligé de plonger suffisamment pour que le roulement ait un appui. Et sur une petite machine comme celle-là, eh ben, on a entendu un bruit qui n'est pas forcément irrégulier, c'est pas hyper feutré, enfin c'est jamais feutré le bruit d'une défonceuse, mais on sent bien que la machine elle est un peu à la peine parce qu'elle est obligée de retirer d'un coup beaucoup de bois. Et pourtant, le tranchant de ma fraise à copier, eh ben, il est étroit. Donc, j'ai pas eu à plonger énormément. Mais imaginez si j'avais eu un tranchant de 2 cm, je suis obligé de plonger de 2 cm. Avec une bague à copier, certes, j'ai un petit calcul à faire pour le décalage, mais au moins, je plonge une première passe de 5 mm, une deuxième passe de 5 mm pour faire le centimètre que j'avais envie de faire ici. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Et la deuxième chose, bah, ici, pour limiter l'imprécision de l'assemblage liée à la machine qui peine et puis aux torsions qui ont forcément lieu au niveau de la base, et bien là j'ai décidé de d'abord nettoyer le centre. Il me reste environ, regardez ici, 2-3 mm un peu plus par endroit. Là la machine elle va pas peiner et je vais pouvoir suivre le tour de mon gabarit improvisé. Ça devrait être un peu plus précis, on va voir ça tout de suite si ça fonctionne. Bon, le son de la vidéo, c'est toujours le son de la vidéo, c'est transformé. Mais n'hésitez pas à faire un petit retour en arrière. Le son de cette dernière passe qui n'a pris que 2 mm n'est pas le son que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait la périphérie. Là, on a un son régulier, c'est signe que la machine, elle aime ce qu'elle fait, elle a travaillé comme il faut. Alors, on va voir si je fais du meilleur travail, c'est pas certain. Mais au moins, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Voilà, je vais arranger les angles. Bon, l'angle aurait mérité d'être un peu arrondi. Ici, j'ai pas du tout de jeu dans ce sens-là, donc je vais redonner un petit coup de ciseau à bois où je vais légèrement raboter mon pied. Je tiens à ce qu'il y ait globalement un bon demi-millimètre de jeu pour que, une fois que j'aurai vissé le piétement dans la base, eh ben, si jamais il y a des variations d'hygrométrie, et il y en aura, l'assemblage doit être capable de l'encaisser. Ça bougera pas.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une table à peu près sur le même principe. Et l'idée, c'est que le banc qu'on est en train de faire aujourd'hui accompagne cette table. Et pour les pieds de cette table, j'avais utilisé un système d'ébonisation, c'est-à-dire à partir d'une solution acide, du vinaigre, j'avais fait tremper des mèches de paille de fer. Et cette dilution, lorsque l'on la passe sur le bois, sur le chêne ou sur tout autre bois un peu tannique, on obtient une jolie couleur ébène. J'avais envie de tester d'autres procédés. J'avais à ma disposition un échantillon de rubio monocôte couleur ébène. Et quand on le passe sur le châtelier, ça donne ça. Et je ne suis pas vraiment, vraiment satisfait. Ça fait un peu trop cérusé, ça manque de profondeur. Du coup, n'ayant pas de solution préparée pour faire de l'ébonisation, je me suis dit, je vais travailler avec une solution basique. Ici, c'est donc une dilution de soude caustique, celle qui est bêtement utilisée pour déboucher les canalisations. Et lorsqu'on la passe sur le châtaignier, on obtient cette couleur là, ici, un petit peu bordeaux. Et lorsque l'on ajoute après par-dessus le rubio ébène, on obtient cette couleur qui, pour le coup, elle est vraiment formidable. Donc, j'ai mon procédé. Je vais d'abord badigeonner avec ma solution basique et après je mettrai le rubio. Au passage, ici, je voulais tester ce que ça donne. Ça, c'est le tanin primaire, ils appellent ça, donc qui peut servir à faire partir les taches ou qui va permettre de protéger un bois qui va être exposé à l'eau. Il n'est absolument pas obligatoire, d'autant plus qu'ici, c'est les pieds qui ne vont globalement pas être exposés à l'eau. Moi, j'ai voulu faire réagir les tanins. Mais bref, c'était l'occasion de tester ce produit et de voir, regardez, ma solution basique avait des tanins, avait coloré le bois. Et le primaire tanin lui a globalement redonné sa couleur, pas tout à fait, une petite couleur jaune assez sympathique aussi. Donc, peu importe pour tout ça, moi j'ai mon procédé, ça sera badigeon, je laisse un peu sécher, et ensuite le rubio couleur ébène. On se rend compte qu'on a nettement moins de tanin à ce niveau-là dans une zone de bois qui est lobier. Là, on est en périphérie et voilà, ça prend moins la teinte et c'est d'autant plus intéressant d'avoir une finition en deux étapes qui va homogénéiser tout cela. Je vous l'ai déjà dit, je pense que ça s'est vu, je me suis particulièrement amusé. Ça fait un an, plus d'un an que je rêve de ce moment où je m'installe dans l'atelier et je vais faire une réalisation pour le plaisir. C'était absolument pas une priorité, il est grand temps que je fasse mes portes, que je fasse mes fenêtres, mais j'avais envie de ce moment où je m'amuse de la menuiserie pour le plaisir de faire de la menuiserie. On emmène le banc au milieu de la prairie, on va faire du drone, on va faire des belles images. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo autour de l'atelier, installation des lumières, réglage des machines. Les techniciens Felder sont venus. J'aurai un invité surprise dans cette vidéo, une annonce à vous faire. Et ça sera la dernière vidéo avant de faire une pause estivale. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.
Ça se mérite d'aller sur le plus bel endroit du monde. Hein.